Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les fondements de la sécurité communautaire, louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelqu'un qui était association, ceux-là ont la sécurité. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et messager. Où Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la sécurité est l'un des grands bienfaits qu'Allah a gratifié à ses serviteurs. Il dit, à cause du pacte du Quraysh, de leur pacte concernant le voyage des vées et de thé, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Allah, gloire à lui, dit également, nous les avons, nous, pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, vers laquelle du produit de toutes sortes sont apportés, comme l'attribution de notre part. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un enceinte sacrée sur à leur couteau autour d'où on enlève les gens. Croiront-ils dans au fou et nieront-ils les bienfaits d'Allah? Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, quiconque se lève le matin, rassuré pour ses saints, en bonne santé physique, et à la nourriture assurée pour son jour, il est donc comme possesseur de la vie entière. Sans doute, la sécurité est une action communautaire pour laquelle coopèrent tous les membres de la société. Personne ne pourrait pas réaliser la sécurité pour lui et sa famille indépendamment de la sécurité communautaire. Dans leur société et état, les gens ressemblent aux voyageurs à bord de même bateau. Les uns ne pourraient se trouver sauvés sans les autres. Notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit la parabole de celui qui observe les limites d'Allah et celui qui les viole et celle d'un groupe de voyageurs qui font tirage au sort pour monter un bateau. Certains ont gagné l'out, d'autres le bas. Ces derniers se trouvent obligés de dépasser par sur un out au moment de abreuvage. Ils disent, si nous faisons un trou dans notre portion, sans nuire à ce doute. C'est ce doute les laisse faire tous les voyageurs tombent dans la perte. S'ils les freinent, tous iront sauvés. Cette sécurité communautaire a des bases et fondements dont le fait de renforcer la foi que réalise la sécurité dans la société et la protège contre l'intégrisme et la déviation intellectuelle. Allah, gloire à lui, dit, c'est par l'évocation d'Allah que le cœur devienne rassuré. La croyance en Allah, gloire à lui, réalise la paix antérieure de tout le membre de la société, ce qui se reflète sur la sécurité communautaire globale. Nous en citons également le côté économique basé sur travail. La production
et la perfection auxquelles notre pure religion fit appel, Allah, gloire à lui, dit, « Imen, la bienfaisance autant qu'Allah le fait à toi, ne cherche point à s'aimer la corruption sur la terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. » Notre prophète, que l'abbé, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit, « Allah aime que si l'un de vous fait un travail, qu'il le perfectionne. » C'est ainsi que s'est concrétise la sécurité et que se stabilise la société. Il faut également ancrer les valeurs de la solidarité et la interclémence parmi les membres de la société. Pour bien montrer l'importance de cette attitude, notre religion a institué la zakat, les actes charitables et les biens de mains mortées. Allah, gloire à lui, dit, ceux qui dépensent leurs biens dans les sentiers d'Allah ressemblent à grain le Nis 7 et B à son grain Libi. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense. Et il est omniscient. Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage. Et vous ne dépensez que pour la recherche de la face, Wajhullah. Et tout ce que vous dépensez de vos biens dont les biens, dont les bons œuvres vous sera récompense pleinement et vous ne serez pas lésés. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, quiconque dissipe à un croyant l'un des malheurs de l'ici-bas, Allah lui dissipera l'un des malheurs de l'au-delà. Quiconque fait facilité à un croyant, Allah lui facilitera aussi bien dans l'ici-bas que notre au-delà. Qui couvre un musulman, Allah lui couvrira aussi bien dans l'ici-bas que dans l'au-delà. Allah est au secours du serviteur tant que ce dernier au secours de son frère. Il dit également, quiconque a surplus de monture, qu'il l'octroie à celui dépourvu du monture. Quiconque a plus d'aliments, qu'il le donne à celui qui est privé, à tel point que nous croyons que personne n'a aucun droit d'avoir de surplus. Parmi les piliers de la sécurité communautaire, et le fait d'ancrer le principe d'égalité entre tous les humains. Ils sont tous égaux, comme les dons de camp. La société épanouie et sécurisée ne fait point de distinction entre les gens par colère ou anti. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, ô les hommes, votre Seigneur est unique, votre Père est unique. Aucun arabe n'ait prévalence sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe, ni un blanc sur un noir, ni vice-versa, que grâce à la piété. Le membre de la société ne se distingue que par les compétences, capacités et efforts déployés au service de la société. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés aux dernières des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, à sa famille et à tous ses compagnons. Il est sans doute que la réalisation
de la structure écologique soutient l'un des piliers de la sécurité communautaire, ce qui se fait par développer l'environnement et le protéger contre les dangers. Allah, gloire à lui, dit, et là, il vous a créé de la terre et vous a fait peuplier. Le prophète dit, si le musulman fait une plantation de laquelle mange un homme, une bête ou un oiseau, celui-ci sera un acte charitable le dernier jour. Il dit également, la foi se compose de 60 ou quelques rameaux, le plus sublime est le dire point de divinité en dehors d'Allah, et le moins sublime est le fait d'écarter la nuisance de la route. On a donc très besoin de enchevêtrer les efforts pour réaliser la sécurité communautaire via l'intégration de toutes les établissements étatiques, armée, police, justice, famille, enseignants, religieux, culturels et civils. Ce pour que la sécurité se concrétise pour tous les membres de la société par les efforts communs. Ô Allah, maintiens à nous, à notre chère Égypte et à tous les pays musulmans, le bienfait de paix et de sécurité.